Bonjour à tous. Hello everyone. Um, this is Elise. Uh, C'est Elise. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'écoute de niveau A1. So today we're going to do an, a listening exercise and the level will be A1. We're going to work on the nominal group and let's get started. So bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices d'écoute. À partir du vocabulaire introduit dans les cartes d'étude numéro 1, nous allons nous concentrer sur les éléments présentés dans la leçon 1 et 2. Hello everyone, today we are going to do listening exercises from the flashcard pack number 1 and we are going to focus on the elements uh, int introduced in the lesson 1 and 2. So you can review them on the channel and today is going to be nominal group. Let's, get, let's go. So, I would read uh, each nominal group three times in a row. Then I would read each sentence and show you the cards. And finally, I would read again. So, there will be many um, times that I will be reading. I would advise once you have the cards that uh, you practice just reading on your own as well. All right. Um, let's get started. Premiere partie. Numero one. Number one. L'ordinateur de papa. L'ordinateur de papa. L'ordinateur de papa. Numéro 2, number 2. Mes livres dans l'armoire. Mes livres dans l'armoire. Mes livres dans l'armoire. Numéro 3, number 3. La lampe sur le bureau. La lampe sur le bureau. La lampe sur le bureau. Numéro 4, number 4. Le jeune papa fatigué, le jeune papa fatigué, le jeune papa fatigué. Numéro 5. Les trois garçons et les deux filles. Les trois garçons et les deux filles. Les trois garçons et les deux filles. Numéro 6. Six, six, les frères et sœurs. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs. numéro 7 le mauvais garçon le mauvais garçon le mauvais garçon numéro 8 la voiture de maman la voiture de maman la voiture de maman numéro 9 number 9 papi et mamie papi et mamie papi et mamie numéro 10 number 10, le papa et la maman de ma tante le papa et la maman de ma tante le papa et la maman de ma tante deuxième partie second part l'ordinateur de papa mes livres sur la table La lampe sur le bureau. Le jeune papa fatigué. Les trois garçons et les deux filles. Les frères et sœurs. Le mauvais garçon. La voiture de maman. Papy. Et mamie. Le papa et la maman de ma tante. Troisième partie. Third part. I'll read again. L'ordinateur de papa. Mes livres sur la table. La lampe sur le bureau. Le jeune papa fatigué. Les trois garçons et les deux filles. Les frères et sœurs. Le mauvais garçon. La voiture de maman. papi et mamie le papa et la maman de ma tante and that's the final part ça c'était le la dernière uh, phrase so i really want you to watch the video and listen uh, to what i'm saying and then eventually i want you to write all of the nominal group and practice saying them And go back and forth between what you listen and what you say. And you try to replicate the sound. You do it again and again and again. The next week, because we have been learning the verbs, we're going to start integrating the verb into the listening exercises. Donc, à la maison, vous allez lire plusieurs fois les groupes nominaux, bien écouter et répéter à voix haute. Pour le prochain, Exercice d'écoute, nous allons introduire les verbes et probablement les objets. Alright, thank you very much. Merci beaucoup. À la prochaine. See you next time. Bye.